que tu veux le pas te suivre. Ils feront tout pour maîtriser ton système, comment tu fais. C'est comme ça. Même l'État, quand les gens suivent les gens, ils font tout pour avoir toutes les informations. Moi, j'ai détruit tout. Or, pour bien te maîtriser, c'est la maison. Est-ce qu'on m'a bien compris? C'est ça. Mais vous ne priez pas. Non, moi, tant qu'il n'y a pas le psaume, je peux même, pour moi, je suis habitué, je peux m'être tendu là. Et puis, je peux me rester le psaume. Parce qu'il me dit, si je n'ai pas prié, je suis mort. Et ça intéresse pas les gens. Or, quand vous priez, vous devez vous réveiller une certaine heure. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas prié, il ne faut pas sortir de la maison. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Quand tu pries, il ne faut jamais oublier le psaume 23. Les gens, l'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Or, l'Éternel veut dire Hachem en hébreu. Vous allez parler avec un juif, il va dire ça le nom de Dieu. Or, les juifs, je n'amuse pas les noms de Dieu. Nom de l'Éternel. Ceux qui nous ont donné la révélation de Dieu, ce sont les Hébreux. Il y a des choses que je veux bien connaître. Amen. Alléluia. Amen. Un sorcier de Pâques, c'est ce qu'on appelle violation à domicile. Ton mari dort. Il parle, pouche qu'il a. Petit filant dans sa maison, il dit, là. Elle fait tout, elle sort. C'est pour ça que vous devez encourager mon mari à prier. Mais faut pas crier sur lui, faut pas faire pas là, non. Vous savez que c'est la journée des femmes. Les femmes, vous êtes bénies, amen. Amen. Voilà, la femme, c'est... les mots ne sont pas... C'est tout... Pour vous qualifier, il n'y a pas de mots. Amen. Pourquoi? Parce que la femme est celle qui supporte. Donc, quand tu veux marier une femme, il y a les critères. C'est qu'elle est prête à te supporter. Pourquoi? Parce que déjà, dans la procréation, la femme supporte un enfant. Dans l'éducation, quand l'enfant sort, elle prend le soin. L'homme est dehors. Il vient, il dort. La femme supporte. La croissance de l'enfant n'a qu'à grandir ses mamans. Donc, une femme qui ne peut pas supporter un homme, ça veut dire quoi? L'homme a des défauts. Hein? Il peut avoir des qualités, on a des qualités, aussi on a aussi les défauts. Donc, une femme qui peut te supporter, quel que soit ton caractère, mais ça veut pas dire qu'il faut la maltraiter. Il faudrait que l'amour soit au centre de vos rencontres. L'amour. Or, c'est ce qui n'existe pas. Or, on est poussé par les intérêts, pour avoir quelque chose, tout ça. Et donc, quand c'est l'amour supporte tout. Amen. Amen. Donc, moi, j'aime qu'on célèbre les femmes, c'est bon. Même si l'homme est égoïste. C'est-à-dire, l'homme est orgueilleux. C'est le mot qui est approprié. L'homme, c'est l'orgueil. L'homme est très orgueilleux. Mais c'est que, vous savez qu'un homme, quel que soit ta carrière, quel que soit ce que tu es, quand il n'y a pas une femme dans ta vie, il y a un déséquilibre. Amen. Amen. Moi, je dis, je ne suis pas encore marié. Donc, pour aller dans... ceux qui m'attendent, j'attends le sommeil. Quand le sommeil vient, quand il m'a dormi. Mais tu n'as pas faim dans le lit, tu as l'air de quoi? Tu n'as pas sommeil, tu as l'air de quoi? Or, on est la nuit porte des conseils. À cause des femmes. C'est pour ça qu'on va dans le lit. La femme est là pour nous dire, ah, tu sais, je suis quitté là-dehors, voici les choses que j'ai eues, puis tu causes à la femme, c'est pas ça? Voilà. Donc moi j'attends le. Il y a le sommeil, il y a les dimensions de sommeil, il y a le sommeil puis il y a le sommeil. Quand ça vient, première étape, tu secoues ta tête. Deuxième, troisième, là, tu ne peux plus tenir. Moi c'est ce que j'attends pour aller dormir. Or la femme, quand on l'a dans la vie, elle peut maîtriser un homme. Quand un homme vient, la femme doit avoir la capacité de dire il est fatigué, il n'est pas d'humeur, il est tout. Or c'est ça les problèmes des femmes qui ne sont pas désarmées. Vous connaissez les femmes qui ne sont pas désarmées? Ça veut dire quoi? La bouche est pleine de lance-roquettes. Un homme, quel que soit le parfum, si vous avez senti le deuxième parfum, si laissez-le tranquille. Et la femme, là, elle, souvent, elle va dire, j'ai sorti un parfum. Ça va vous donner. Comme les narines sont développées, mon portail, elle voit trois parfums sur toi. Tu vas beau parler, elle s'est dit te quitter chez la maîtresse. Non. Un homme, quelles que soient les humeurs, quel que soit le truc, laissez-le rentrer. Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Hein? Amen. Amen.
Amen. Quand on dit, il ment. Ton essai, il ment. C'est un sorcier, il mentait des mentir. Laisse-le venir. Et s'asseoir. Ça va, ta journée. Toi, t'es fâché déjà. Donc, tu peux pas demander ta journée. Ok, ça va. T'en es ses chaussures. Les femmes n'aiment pas ça. Faut faire ça. T'en es les lacets. Ta journée s'est bien passée. Qu'est-ce qu'on peut bien manger? Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire ça. Elles sont obligées de dire, ça dit, tu sais. Ta nourriture dans la cuisine. Va aller chercher. Comment quelqu'un qui vient des balades, il va aller prendre une cuisine à la cuisine, il va venir mettre sur la table, et puis il va manger. Non. Maintenant, ton petit palais, tu veux faire. Il y a une manière de faire ça. Avec sagesse. C'est dans le lit. Doucement, non, on ne peut pas t'appeler, ne me touche pas. Non. Même si elle a commencé à te toucher, dis rien. Quand elle a fini même de te toucher, là, tu lui dis, tu sais, voici. Il y a des choses qui te tranquillisent. Quand tu veux lancer une lance roquette, même si tu as raison, le monsieur va mourir, tu vas t'attaquer. Les garçons sont comme ça. Amen. Le monsieur va viser. Moi, je n'aime pas les femmes qui parlent mal. Non. Allez, moi, monsieur, non, chaud, chaud, chaud. Ah, moi, je suis un homme chaud. Hein? Non, il va marier une femme qui est chaude. On va faire palabre. Non, moi, je suis un homme chaud. Quand je suis sur la table, déjà, il commence à parler à la cuisine. Mais je ne suis pas venu sur la table, m'asseoir. Pourquoi il m'asseoir sur la table? Donc, il dit à ma servante, il sait, il y a des choses, je crois. La table, ça veut dire qu'il mange. Il m'asseoir, non, Rachel, puis tu vas courir. Non. Il vient directement, plat, je mange. Donc, il y a des gens, ils ont des cartes, mais ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est la nature. C'est la nature. Donc, si tu maries une femme, toi, tu es chaud. Tu maries une femme chaude, vous allez vous couper par là. Amen. Mais le seul problème, il faut remettre. Est-ce que tu l'aimes ou vous aimez? S'il n'y a pas l'amour, séparez-vous. Or, s'il y a l'amour, quel que soit le problème, vous allez vous entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous ne dites pas Amen. Amen. La femme, c'est la meilleure créature que Dieu a créée dans le monde. Moi, j'aime bien nos mamans. Je vous donne des conseils. Hein, désarmez-vous. Si vous ne savez pas où on peut se désarmer, j'ai un sang de désarmement ici de bouche. Venez vous désarmer. Mais vous êtes tellement merveilleux, les femmes, que pour rien au monde ne peut pas vous détruire. C'est vrai. Donc j'encourage nous qui sommes des hommes méchants, sorciers, mauvais. Et les hommes sont mauvais, sont méchants. Ils n'aiment pas reconnaître. Ils n'aiment pas souvent s'humilier. Ils sont orgueilleux. Il faut reconnaître un peu. Donc j'en profite par rapport à la journée des femmes. Ceux qui me suivent, quand tu finis d'étudier la vidéo, si c'est la nuit, ok, matin, il faut embrasser ta femme. Quand tu finis là, tu dis maman, il faut dire maman, ça fait quoi? C'est ta maman, sorcier. Il y a des gens qui n'aiment pas belle femme, maman. C'est ta maman. C'est ta maman. Donc tu l'embrasses. Hier, c'est la journée internationale des femmes. C'est une continuité cette semaine. Et il faut aimer les femmes. Il faut les aimer. Voilà, il faut les aimer. Il faut entourer la femme de la protection. C'est ça le problème. Il faut la protéger. Même ta famille, non, ne doit pas avoir accès à ta femme. Non. C'est une question de cœur. Vous êtes entendu? C'est pour ça que j'ai dit, vous avez bien réfléchi pour vous mettre ensemble. Quand tu prends une femme pour dire, je t'envoie à la maison, tu as bien réfléchi. Ta famille ne doit plus avoir accès à votre maison. Or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Est-ce que les gens connaissent la portée d'attacher, ça dit, c'est une complicité. Moi, quand je voulais être une femme, vous devez savoir ce qu'elle fait au longueur de journée. C'est tellement simple aujourd'hui. Même si on en travaille, on peut envoyer un texto. Il fait tant. C'est important de communiquer. Quand le monsieur ne sait pas où lancer ses jalousies, il doit savoir. Tu as quitté la maison, tu es allé au travail, il te trouve à la gare. Tu fous quoi la gare? Tu es fâché? Non, mais demain, tu fous quoi la gare? Lui, il te protège. Parce qu'il y a un problème, c'est lui qui va subir ça. Donc, donnez les informations correctes aux hommes. Amen. Amen. Je m'avais saisi. Amen. Tu as quitté la maison, tu vas au travail. Du coup, tu as la gare. Non, tu sais, je suis à la gare, je dois faire un mandat. Le monsieur est fâché. Pas parce qu'il est sorcier. Hein. Il te protège. Oh, les femmes, pour les vous avoir, excusez-moi, vous êtes non, maman, c'est facile. Vous aimez les gens qui parlent beaucoup, ils mentent, les sorciers, là, vous les aimez beaucoup.
ce qu'on bouge sucré. Or, le monsieur, la chose qu'on ne partage pas, c'est l'homme. Tu vois ça? Hein? Je commence par les hommes. Et puis la femme. Or, l'homme n'aime pas qu'on partage avec sa femme. Et il oublie aussi que lui, on ne doit pas le partager. Il fait recours à Samson, Salomon qui a marié 1000 femmes, ça fait quoi? La Bible dit Salomon a marié 1000 femmes. Oh non, il y a les femmes qu'on dit qu'on ne doit pas partager. On dit amen. Amen. Donc que Dieu bénisse. Amen. Et recevez le désarmement. Amen. 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 Que Dieu bénisse. S'occupez très bien de vos maris. Parce qu'il y a trop de petits sorciers dans les parages. Aujourd'hui, elles s'habillent très mal. On appelle ça choquer pour séduire. Amen. Amen. Les petites filles, qu'elles attrapent, elles laissent pas. Quand tu vois un mari, il faut lui faire des pédicules. Zadie. Oh, Zadie, il a fait un an, il n'a pas fait des pédicules. Oui, Zadie souffle. C'est gratin. Lui, là, ce n'est plus une lame, ça s'est cassé. C'est une machette. On va envoyer. Fait crou, crou, crou. Or, si tu ne coupes pas ses ongles, ce sont les ongles là qui vont déchirer les matelas. Les draps de lit. Donc, c'est tellement simple, c'est des choses. Les ongles poussent. Donc, de temps en temps, il faut l'avenir pour couper ça. De temps en temps, il faut enlever ses ongles. C'est important. C'est des choses qui poussent très vite. De temps en temps. Et puis, tu regardes. Les avis, tu dis, pardon, ce côté que tu as porté là, c'est pour féticher ou bien? Ouais, les gens, les chocolats, ce côté, c'est ça, après la malade. C'est noir! Après la malade, déchiré. Déchirez-moi. Chocolat déchiré. Zadi. Chocolat déchiré. C'est ça, c'est chocolat. Oh, j'avais la croix, ça moyen plus. Donc, ce que vous devez faire, c'est pas cher, c'est 500 francs marché. Amen. Amen. Voilà. Vous changez, vous avez. Non, c'est ici. Vous payez 4. Comme lui n'aime pas laver ça, il peut porter un chocolat par semaine. Non, il y a rien comme ça. C'est une manière d'aider. Parce que la femme, il faut la séduire. Amen. Amen. Et si je dis aux hommes, il faut la séduire. Il faut être propre. Les femmes aiment les choses, sont propres. Il faut être propre. Et puis, il faut bien sentir. Il sent des odeurs de cabri. Il n'y a rien, je ne l'ai pas la nuit. Le soir, c'est l'époque. C'est cabri. C'est matin, c'est là. Oh, il a sué toute la journée. C'est de la sorcellerie. Toucher le brise a dit pardon. Imbiam, va te laver. Amen. Amen. Non, laisse pas pour les femmes. Petite douche, ça fait quoi? Tu te laves. Petit parfum, c'est bon. Ta femme doit sentir les bonnes choses. Pas l'odeur des cabris, toi. Ils sont très bons. Amen. Amen. De temps en temps, renouveler les dessous, c'est important. Tout ça, là, c'est important. Hein, en matière de... Oui, il faut séduire. La personne qui doit séduire, c'est ton mari. Et le mari doit séduire sa femme. Il faut renouveler les qu'on appelle les dessous. Faut pas faire comme le dessous de Bella. Bella, elle s'en fout des dessous. C'est quand ça se déchire, c'est intéressant. Je veux. Oui. Non, les dessous, Bella, c'est quand ça se déchire. Quand ça fait. Elle ici. Et là, il jette. Ah, quand ça a déjà fait 3 ans, il a posé ça. Des yeux ici, les fesses. Mais le fait de s'asseoir, ça défie, hein. Ça gratte. Non, lui, c'est quand il tourne les yeux ici. Moi, tout que c'est gâté. Sinon, en bas, ça lui dit rien. Amen. Amen. Il veut renouveler tout ça. Quand c'est gâté ou jeté, entretenez les odeurs dans la maison. Les odeurs corporelles. Tout ça, c'est important pour la femme. Et puis, de temps en temps, offrez des bons dessous à la femme. Vous aussi, les femmes, soyez propres. C'est important. Au-dessous, c'est bizarre, c'est là, ça fait 8, ça dessine 8. Si le porte-manteau, là, ça fait 8, ça y est, c'est gâté, jetez ça. Amen. Amen. C'est la vérité, je vous dis. Là, vous voyez tout en prière. Seigneur, quand il est prié, il va m'aimer. La petite, là, l'aime trop. La petite. Non, c'est pas que c'est la petite. Tout ce que tu fais là, ça doit séduire ton mari.
Dans vos histoires de prix bizarres, j'étais. Pour les femmes, c'est plus cher, c'est 400. Amen. Amen. Et puis éviter de produire comme Dieu. Non, pardonnez. C'est pas. À la pharmacie, il y a des vanilla. Soyez des femmes choco. Il y a vanilla à la pharmacie. Non, non, c'est vrai, c'est important pour vous. Parce qu'il y a une concurrence. Il y a une génération de petites là. Elles s'amusent pas, ça. Toi, tu portes comme Jolie, elle y va. Petite poitrine, tu portes vanilla. Et puis là, tu penses que non, il est dehors, il cherche la petite. Faut être propre. C'est qu'il faut être propre. Les vanilles, vous devez porter ça. Les strings. Non, écoutez, c'est une école, hein. C'est la journée des femmes, amen. C'est la journée des femmes. Laissez-moi donner un conseil. Mais monsieur, il dit quoi? Monsieur, vous n'aimez quoi? Les bâches, vous n'aimez string. Parce que tu portes ça à cause de lui. Ou bien? Est-ce que vous savez que vous portez, excusez-moi, vous portez votre dessous à cause de votre mari. La pression qu'il doit avoir votre intimité sur votre mari, il faut qu'il approuve, qu'il ça l'excite. C'est ce que vous ne savez pas. Tu portes combien de sages? Tu te vois, tu te vois, Mia. Tu vois une grande mère. Bia. Bia qui devant moi. Tu trouves que ton mari dort trop. Tu veux chercher l'argent. Non, c'est pas mauvais. Est-ce que c'est à cause d'un volant là? Quand vous rentrez dans la formation, vous ne faites pas de vous laver les mains. Hein? Quand vous rentrez dans les bons, vous ne faites pas des produits. À cause des petits sorciers là. Petits slim. Vous allez. Ouais. Slip est bien joli. C'est tout. Pour celui de votre mari. Rasez-vous, soyez propre. Changez sa charge deux jours. Portez vanilla. C'est pas cher, c'est combien? 500. Vous prenez petit pain, vous mettez ça dans les pains, vous mettez ça dans les murs, les pièges. Ça dit même pas ça. Les pains. Qu'est-ce que c'est bizarre. Vous trouvez que le monsieur est possédé? Les procédés, les démons, les sirènes des eaux sur lui. C'est toi qui payes la démon des sirènes des eaux. Faut être propre. Viens, Vania, tu vas à la pharmacie. Tu as ça. La femme doit être propre. Vous savez que la femme, c'est une de la propriété. Je vous aime tellement. Amen. Amen. Vous êtes non maman. Amen. Amen. Voilà. Mais arrangez-vous. Amen. Vos histoires, là, renouvelez vos garde-robes. Renouvelez ça. Que Dieu bénisse. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Pas permis. Les petites, là, sont dangereuses. Hein. Elles sont aussi éternelles pour apprendre comment attirer les gens. Hein? Les petites. Et comme elles font tatouer sur cuisse. Elles font tatouer sur ici. Elles sont très dangereuses. Toi, tu es là, tu dis non, Zadie, c'est mon mari. Hein? Erreur. Elle réfléchit comment prendre Zadie. Ça va lui dépense. Mais elle sait que c'est pas béni, c'est pas l'homme. C'est pas amour, c'est en fait des matériels, l'argent. Si tu ne veux pas que ton argent pas dehors. Il faut bien t'entretenir. Amen. Amen. Il faut changer son nom. Il ne faut pas dire Zadi. C'est trop dur. Il ne faut pas appuyer ça. Il faut le dire bébé. Bébé, bébé. Chouchou, ah, chouchou, les petites roses. Mon bébé, chouchou. Au départ, il serait bizarre, orgueilleux. Il ne va pas accepter. Au fur et à mesure, il va accepter. Mais c'est pour ça qu'on appelle dehors. Mais c'est vrai. Bébé, papa, ça va. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Viens manger, t'as l'air agréé. Et puis ça va te faire qu'on est. Mais je vais te donner, tu fais. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est important d'avoir protégé. C'est ton mari. C'est quoi?
Tu as cherché. C'est ton problème. Là-bas où tu es parti, là, c'est toi qui as cherché, tu as trouvé ça. Moi, je te parle de bon mari, pour l'aider. Et puis l'amour, il faut cultiver l'amour. Or, si vous cultivez l'amour, vous allez vous apprendre. C'est une école. Les enfants vont apprendre ça. Nos premiers élèves sont nos enfants. Vous savez ça? Nos premiers élèves sont nos enfants. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes la vidéo là, si tu finis, il faut embrasser ta femme. Ayez peur de la femme. Ça dit, il faut la respecter. Or, elle vit avec toi. La première chose que tu tues, c'est ta femme. Elle est à la maison. C'est pour ça que moi, je ne joue pas beaucoup à mes servantes. Je prends soin. Ne jouez pas avec les femmes. Ne les voyez pas comme servantes. Prenez soin de nos mamans. Amen. Amen. Mais vous, désarmez vos cœurs. Si vous avez des choses contre votre mari, venez me voir. Je vais vous aider. Vous soutenir. Hein? Amen. Je vais vous aider, vous soutenir. À pouvoir gagner votre foyer. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Le plus grand ministère, c'est le foyer. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. Quand tu veux te mettre avec quelqu'un, il faut bien réfléchir. Vous, bis, bis, toi tu es déjà parti chez lui, tu te déménages. Tu prends tous tes bagages, tes choses à dire. Non, il faut bien réfléchir. Est-ce qu'il répond mes critères? Amen. Amen. Moi, je connais les gens, les femmes que j'aime. C'est comme ça. Toi, tu connais. Non, comme j'ai vieilli trop là, bon, s'il vient, j'ai gêné. Puis il est prié, fait sa délivrance. Tu vois, il délivre des adis. Tu connais les démons qu'il a dans son corps. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous aide. Amen. Nous, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les femmes d'Afrique du Bois qui vont manquer. Amen. Nous allons s'en prier. C'est le de Béziers, c'était la journée internationale des femmes. Nous allons prier pour les femmes dans le monde entier. Les femmes. Et nous allons demander au Seigneur d'apporter la véritable paix dans chaque foyer. Ici, nous, de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il faudrait que nos mamans ne soient pas maltraitées. Nous allons nous souvenir des pays, dans certains pays arabes, où nos femmes n'ont plus la liberté d'expression. Ne plus s'exprimer dans un foyer. Elles sont comme des esclaves. Et tout ça dans un foyer. Nous allons nous souvenir de ça. Oh, la femme, c'est elle qui apporte beaucoup de choses. Prions le Seigneur. Nous voulons te prier dans ce jeu, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci. Merci. Amen. Viens vous asseoir. Voilà, que Dieu bénisse toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les femmes de l'Afrique et du monde entier, parce que de Béziers, c'était la journée internationale des femmes. Nos mamans sont beaucoup chères. C'est par elles vient l'enfantement. Elles supportent beaucoup de choses. Bonne fête à vous, les mamans. Et que Dieu vous visite chaque jour. Parce que même si nous, les papas, nous sommes orgueilleux, vous voyez, mais vous restez nos mamans. Vous restez nos mamans. Et vous avez besoin de beaucoup d'affection. Et c'est notre prière. Et toi qui m'écoutes, tu es un homme.